On est de retour au golfe de la Boulie et on va tester deux nouveaux drivers qui sortent pour cette rentrée de septembre 2020, le ZX5 et le ZX7 de Strixon. Et justement, on a un gars de chez Cleveland Strixon qui est là, salut Florian. Il est là avec son Trackman et on va aller opposer un petit peu ces deux bêtes là et faire un petit match à la fin comme d'habitude avec mon driver habituel. Alors le plus simple des deux va être le ZX5. Le ZX5 va amener un peu plus de hauteur de balle, un angle de décollage un peu plus élevé grâce à la masse slot à l'arrière. A contrario, le ZX7 va être un peu plus sport pour aller chercher plus une trajectoire de balle. Le ZX5 serait plus pour une personne qui aime la compétition forcément, vu qu'on est chez Strixon, mais qui va avoir besoin de confort et de tolérance au niveau de la trajectoire de balle pour aller chercher son fairway tranquillement. Le ZX7 va être plus pour un joueur qui va aller chercher des grosses compétitions ou des gros scoring pour aller chercher de la trajectoire de balle, des balles basses en fade, des balles basses en draw, enfin voilà, travailler sa balle. A contrario, le ZX5 va être plus pour amener la balle sur fairway tranquillement. On va noter deux différences notables, ça va être la couronne en composite carbone qui va être 15% plus importante. Et surtout, on va avoir ce qu'on appelle le rebound frame. Le rebound frame, on va l'avoir sur les deux clubs, donc sur le ZX7 et sur le ZX5. Ça va amener une élasticité au niveau du hotspot. Sur cette gamme, nous amenons ce qu'on appelle un event flow riptide marqué small batch. Un shaft de small batch, c'est un shaft tout issu et c'est un shaft qui va être retravaillé par la suite pour qu'il soit le plus parfait possible. En small batch, le shaft à l'unité va coûter 550€. Ce shaft là est proposé en standard chez nous et il n'y aura pas de surcoût sur l'achat de ce shaft. On a comparé le ZX5 et le ZX7, on a tapé une dizaine de balles. Quelle conclusion tu tires, Florian? Donc sur le ZX5, on avait le Event Flow Riptide en small batch. Et sur le ZX7, on avait mis en hasard du Smoke 6.0. Étant donné qu'avec le ZX5, on va avoir une moyenne aux alentours des 36 mètres de hauteur de balle. Et avec le ZX7, on va avoir une moyenne à 29 mètres. Donc ça, c'est le fait que les poids soient décentrés à l'arrière sur le ZX5. Qui va faire qu'on va avoir une trajectoire un peu plus haute, un lunge un peu plus élevé. Le ZX7, on a les deux poids sur les extrémités de la tête, ce qui fait qu'on va plus gérer une trajectoire, donc un peu moins de hauteur. Sur le ZX7, on va gagner 10 mètres, on va être à 2,78 de total, contrairement au ZX5 où on va être à 2,69. On a un carry qui est pratiquement équivalent à 1 mètre près. On va avoir un taux de rotation de balle qui va être de 3000 RPM avec le ZX5 et on va être sur du 2515 sur le ZX7. Alors on a comparé le ZX7 et le ZX5 et ça a bien confirmé que le 5 était plus tolérant et le 7 beaucoup plus joueur, on va dire. Et maintenant on va le comparer à mon driver, le club que j'utilise habituellement et qui est pour moi, comme je vous le dis à chaque fois, le meilleur du marché depuis un an et demi, le G410 de ping. Et on va voir comment ce ZX7 qui a à peu près le même profil et à peu près le même shaft, on va voir comment ce ZX7 il se comporte face au poids lourd de ping. Bon Florian, on a tapé une dizaine de drives, j'ai l'impression que le match était très serré entre le ping G410 et ton ZX7 de Strixon. Est-ce que ça se confirme au Trackman? C'est un très gros match. On va parler tout d'abord en termes de distance pure. Avec le G410, tu as une distance de 280 mètres total. Avec le Strixon, on est à 278 mètres. Donc il n'y a que 2 mètres d'écart. Ces deux mètres là s'expliquent un peu pour le taux de spin qui est un peu plus haut avec le Strixon, sachant qu'on est sur un taux de spin à 2700 avec le Strixon et 2600 avec le G410. En termes de dispersion des deux drivers, on est sur quelque chose des très bonnes données. En termes de vitesse de balle, l'écart est nul. Et on est à 163.1 et 163 miles en sortie de balle, je parle. Et très content qu'on arrive sur un match aussi serré. Et voilà, on est dans la continuité de ce que Strixon veut créer avec ses drivers et ses gammes de clubs. Donc, non, très content.